Bien oui, bienvenue sur Thé éternel, l'Est du CGT. Ce lundi 29 octobre, il faudra dire à El Khomri que le 49-3 là c'est fini là, parce que là maintenant on est en 49-4.1. Premier jour. Hier, une grande bénédiction, c'était en missile solaire. C'est carrément un truc de fou. Dans l'esprit. Hein. Bon, il y a un peu de vent, un peu de pluie encore, c'est normal. Tu sais. Ça aussi, c'est un compteur à reprendre. C'est comme à Nice. Hein. Donc, le lundi, c'est en la 432. Dans le semier de l'esprit, pour le réveil de l'esprit. Et ça fait 49. Alors, ça fait plus 4-1. 4 mois et un jour que je suis chef d'état d'âme. C'est tout, c'est pas comme ça, pas rien faire. Comme ça. Message pour les enfants, peuple des prophètes. Bah, quand il pleut, c'est maman qui pleure. Et puis quand il y a du vent, c'est papa qui gueule. Parce que vous faites que de la merde sur Terre. Où est votre subconscience? Ah, le diable a bien travaillé, le petit Lucifer, c'est vraiment un enculé. Le libre arbitre. Ah. Première loi, ça fait 10 ans que je l'écris, c'est le TPU. Trésor public universel. Nous offert, caisse commune que fosse commune. L'homme gravite sur une planète. Un tout petit électron qui n'est pas libre, parce qu'il y a des frontières, parce qu'il y a de l'argent, tout ça c'est de la barbarie. C'est pour toi pas compliqué. Hein. Si on vendait pas d'armes, il n'y aurait pas de guerre. Pourquoi il faut toujours se taper sur la gueule? Vous êtes con quoi. Putain, je sais pas moi. Un problème. C'est Manny Black 18, réveil de l'esprit. Dans le semainier, là on est lundi, on s'accorde. Là maintenant c'est la deuxième semaine intergalactique. Okay. Je suis du CGT, Conseil Galactique Temporel. Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, mais c'est pas grave. Je te dis que je te le dis. Faire crise de niche, chef d'état d'âme, tout ça, c'est pas simple. Surtout quand t'as pas un rond et que t'as que du matos de merde. Mais c'est pas grave, tu arriveras quand même sans pognon. Nul n'est prophète en son pays, je t'emmerde, je te dis que je le suis. Et mon histoire de la Vierge Marie, bon, bah, c'est comme ça. Au moins, elle est vierge d'esprit. M'en fous, samedi, j'ai rencontré l'ange. Et quand j'ai rencontré l'ange, c'était fabuleux. Parce que j'étais né un samedi, le 28 juin 1969. Un meldois, comme ça. Et puis 4-1, parce que mon grand-père, c'était le gardien du palais de justice de Meaux. À l'époque, la police à cheval, là, tout ça, là. Et hier, j'ai vu Madame Cipro. Elle m'a raconté la Sicile. Enfin, Madame Garizio, elle m'a raconté l'immeuble. Bon, ça, c'est pas grave. Écoute quand on parle. La vie est un échange de savoir, de partage. C'est fait pour partager. Et l'argent, c'est pareil, c'est le mal sur Terre. Les guignols de l'info, là, tu les vois à BHL TV. Hein. Oh. Très bien que ça part en couille. Il faut rassembler tout le monde. La vie, c'est tout le monde. C'est tout ce qui est vivant. Ce soir, même un caillou, c'est vivant. Ça veut dire ça? L'armée des anges sur la baie. S'il faut d'un coup les galer, dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps, on sera incarné. L'armée des anges sur la baie. Ben, c'est à Nice, c'est pour ça que je fais une crise de Nice. Hein. Avant l'inversion de polarité, on est tous bipolaires, triphasés, si vous savez, en continu. Je suis alternatif. Courant alternatif aussi. Le discernement, eh ben le discerne vrai. Putain, c'est les 90% du cerveau, c'est la subconscience. Ton disque dur, et tu le connectes, et ben connecte donc ton disque mou.
Non? Ça, c'est quand tu dors. C'est quand tu fais des vrais songes. Compliqué. En direct de Nouvelles Émotions, oui, en direct de Nicolas Bulot. Je m'en vais comme un prince. Il a fait Taubira. Il n'est pas parti en vélo, mais pas loin. La politique, c'est de la merde. De toute façon, tant que tu fais un truc, si c'est pour vendre, c'est de la merde. Si c'est pour donner, c'est bien. Tu lises ton énergie pour donner de l'amour, pour donner du savoir, bon, ça c'est bien. Mais pour vendre de la merde, je dois changer une ampoule sur, je sais pas, une Citroën, un C4 ou un C5. Ils prennent 200 euros de main d'œuvre pour changer l'ampoule. En fait, vous démontez la bagnole. Quel est le connard d'ingénieur qui a inventé cette merde? Ça doit être Diego. Parce qu'il n'y a pas d'âme dans le programme. De toute façon, c'est ça la politique. Il n'y a pas d'âme dans votre programme. L'amour, l'humanité, l'humanisme. Hop. Alors, le premier jour, il leur dit ça va chier. Comme ça. La première loi, c'est le trésor public universel. Un petit peu pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de très riches, il n'y a pas besoin de très pauvres. Il y a besoin de tout le monde qui vive, qu'on partage avec tout le monde sur la planète, ce qu'on gaspille en bouffe, là, non? Alors après, il y avait un truc, là, c'était compliqué. Du bouddhisme, c'est une fois qui suit le Christ cosmique. Il dit, c'est moi, là, c'est ma tronche. J'avais fait page 3, hein, c'était un vendredi. Vendredi saint. Moi, Sylvain Durif. Bon, Christophe Lanteuil, des cuits de drape, s'il te plaît. Un tagine du bled qu'il n'a jamais servi, parce qu'il y a les bons tagines, il y a les mauvais tagines, il y a les bons chasseurs, il y a les mauvais chasseurs. Deux pains de mie périmés pour faire des croque-monsieur. Et mon vieux D2R2. Et voilà. Il a un logo aussi, il manque des touches, je sais pas, ça marche comme ça veut. Un peu comme la caméra, mais... pas grave. Tout ce qui est fait pour vendre, c'est de la merde. La publicité, c'est de la merde. La télé, c'est de la merde. Ça absorbe l'âme, c'est un électroaimant. La pollution électromagnétique, c'est trop grave. C'est trop grave. Ça détourne. Les rois mages, ils n'avaient pas de GPS, ils savaient bien où il fallait aller. Va. Envoyé spatial pour l'éternel, patché salut, inshallah, menirain. Voilà. Le lundi, on s'accorde en la 432, c'est planétaire. Avoir l'esprit libre, c'est pas la BNP. Hein. Ok. Quand je suis bleu, ça va. Quand je suis vert, c'est Hulk, ça m'énerve. La première lumière, c'est une rose. Je les vois, les lumières de l'arc-en-ciel dans l'objectif. Tu vois? Seras-tu là? Hein? Et le bon Dieu, il est avec tout le monde. Tu l'appelles comme tu veux. C'est la foi. C'est ça. Les évêques de France proposent la foi. Et bien, j'en suis sûr que c'est une attaque du mal. J'en suis sûr que mon curé, il n'est pas pédophile. Tu n'es pas des gosses au baptême, pas déconner non plus.